غير باش تريكي صبوراني دونك في الفيديو هذا ان شاء الله باش نعطيكم ان تي رابيل كور على الرياكسيون شيميك دونك الرياكسيون شيميك لهنا في البروميير اني مانيش باش نتعمقوا فيها برشا جوست باش ناخذوا دونك لهنا لي ديفينيسيون وكلك برينسيپ اول حاجه اون ديفيني اون رياكسيون شيميك شنو معناتها اون رياكسيون شيميك Donc, une réaction, c'est une transformation au cours de laquelle des corps disparaissent. Donc, au cours de laquelle des corps, pardon, disparaissent. Et des corps nouveaux apparaissent. Donc les corps qui disparaissent s'appellent les réactifs. Donc les corps disparaissent et nous avons les réactifs. Et les corps qui apparaissent, nous avons les produits. Okay. Donc, là, je vais comme la représentation d'une transformation chimique, c'est-à-dire un les réactifs. Donc, réactif 1, ça met R1, plus R2, plus R3, plus la réaction T. Je vais produit 1, plus produit 2, plus etc. Okay. Donc, le sens de la flèche dans le sens de l'évolution de la réaction. Ok, l'évolution de la réaction. Donc, le réactif, tantini, les produits. Okay? Par exemple, je n'ai pas comme une transformation. Par exemple, on dit le carbone plus le dioxygène. Je n'ai pas de chartini, dioxyde de carbone. Donc, je n'ai pas dioxyde de carbone. Donc, les produits MTI, le réactif, je vais mettre la notation, le carbone, on va le Le dioxygène ou O2, le dioxyde de carbone, il y a CO2. Donc, le réactif MTI, le carbone, il y a C, ou on dit le dioxygène. Il y a O2. Voilà. Ou le produit. Ou le dioxyde de carbone. Pardon, c'est le dioxyde de carbone. Et le CO2. C'est un exemple sérieux à la transformation chimique ou bien réaction chimique. Bien sûr, tu abonnes à la Saporanet, tu n'as pas comme plusieurs applications, tu n'as pas quelques exemples, mais tu fais une notion de réaction chimique. Donc, là, on a vu la notion d'une réaction chimique. Bien sûr, on a quelques définitions liées à la réaction chimique. Quand est-ce que notre réaction est exothermique? Donc, une réaction chimique. Est dite exothermique si elle dégage donc de la chaleur. Voilà. Donc, notre réaction chimique est endothermique. Donc, si elle absorbe de la chaleur. Donc, notre réaction chimique est rapide si elle se fait en une durée trop courte. Okay? Donc, on a les catalyseurs, les donc, ils s'aiment la rapidité de la réaction chimique. Okay?
Donc, les caractères qualitatifs d'une réaction chimique, donc, نجم نكتبهم لكم, اللي هما amorcé ou spontané, exothermique ou endothermique, rapide ou lente. Voilà, donc, هذوما حاجات مهمين برشا, نجم نكتبهم. Donc, les caractères. Qualitatif d'une réaction chimique donc amorcée ou spontanée donc exothermique ou endothermique, rapide ou lente. Donc, je m'attends amorcé, je m'attends spontané, exothermique, endothermique, à titre comme les définitions de termes. Donc, une réaction chimique est dite amorcée quand elle nécessite l'intervention d'une action extérieure. Une action extérieure dans la réaction interne, qui est ma température, qui est ma lumière, etc. Okay? Et une réaction chimique est dite spontanée si elle se produit d'elle-même dès que les réactifs sont mises en présence. Il est que les réactifs interagissent ou ça, la réaction automatiquement marir un facteur extérieur, donc notre réaction est spontanée. Par exemple, l'année amorcée, c'est-à-dire un hâtite de réactif, mais marmouche une transformation. Quelle donc zéda à les réactivités, par exemple, sachant, donc température, hâtite de lumière, etc. Donc, exothermique, on a dégage de chaleur, endothermique, absorbe. Donc, une réaction rapide ou lente, donc une transformation qu'on a lente, si son évolution peut être suivie à l'œil nu pendant quelques secondes. Donc, la réaction interne est donc, bien sûr, le catalyseur, il y a un corps qui accélère une réaction chimique sans être consommé par elle. C'est-à-dire, le catalyseur est dans la réaction chimique, accélère, mais mes couches produits ou mes couches réactives, mais les réactifs ou les produits, juste à la rapidité de la réaction interne. Okay? On définit le catalyseur. Qui accélère une réaction chimique sans être consommée. Maintenant, moi, je suis pour le moment d'aller les produits, les réactifs, donc par elle. Okay? Voilà, donc qui est un titre comme un petit rappel de cours à la réaction chimique. D'abord, il y a la sabourane, et Charles, je vais vous donner plusieurs exercices.